Salam les filles, j'espère que la gomme camel prêt ou à l'arrière. Le tentalium homa, les démangeaisons de l'anus. Le prurite anal. So, je vais vous montrer la vidéo à la fin. Le prurite anal. Et c'est très important de connaître ce problème. Il y a pas mal de personnes qui ont mal. Alors, l'anus, ou à l'ouverture située, la fin, tu as le tube digestif. Ou là, à l'extrémité du tube digestif. C'est par cette voie que les selles sont expulsées. Donc la zone Hedy, elle reste très sensible où la peau entourant l'anus, qu'on appelle peau périanale, elle est sujet très fréquemment de démangeaisons et brûlures anales, ou là, ce qu'on appelle le prurite anal. Yani, futhat sharaj. La peau qui est فوق فتحة الشرج تكون vraiment très sensible ou تكون يصراو فيها ce qu'on appelle الحكة ou là les brûlures anales. Ce grattage il inclut plusieurs causes. Dans la majorité du temps, les causes elles restent inconnues. Ouf, la seconde cause c'est un problème d'hygiène. D'autres causes peuvent apparaître qui m'a l'infestation par des petits vers, les oxyures. Donc, d'où serait le biais de l'hygiène des enfants? D'être la cause de l'hakka qui fait la charge ou d'être une infection par un champignon. Il existe des causes spécifiques ou très rares. Les causes, c'est des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, les MICI. Tels que le Crohn ou la rectocolite hémorragique. Had les maladies, ils peuvent nous donner les démangeaisons, les rebouchettes sur l'anus ou la peau, où il est vraiment très, très, très irrité, ou la personne peut nous donner même des brûlures anales très importantes. Dans ce cas, le traitement, il reste soit par des médicaments qui vont réduire l'inflammation intestinale, qui met les corticoïdes, les antibiotiques ou les aminosalicylates. Soit qu'on a une bonne alimentation, il y a anémie et cloche, tout ce qui est épicé, tout ce qui est hard, tout ce qui est acide, pour éviter les rebouchettes et éviter les démangeaisons. Ou tenir la gestion du stress. Quand on est stressé, le colon va s'irriter, les intestins vont s'irriter. Et du coup, la crise de démangeaisons, elle va augmenter. Revenons à la cause de manque d'hygiène. Ou tout au contraire, une hygiène excessive. La personne tellement tersel avec du savon et tout, elle a des démangeaisons. Là, des personnes qui méritent louche, qu'aiment bien l'anus. Donc, un mauvais nettoyage qui laisse des résidus à l'aisselle ou la sueur sur la peau. Il y a des personnes qui ont comme les fesses, mais ils méritent louche bien. Donc, c'est une cause de démangeaisons et par la suite, les personnes elles vont finir par avoir le prurite anal. Un nettoyage avec un savon inadapté, des lingettes qui peuvent assécher la peau, l'irriter, l'enflammer ou provoquer la réaction allergique gênante. Les personnes qui souffrent déjà d'hémorroïdes ou de crise hémorroïdale, ils peuvent aussi ne pas pouvoir bien nettoyer avec la zone et avec l'anus et avoir du mal à le faire après avoir été à la selle. Donc les hémorroïdes ils vont produire du mucus, donc ce qu'on appelle un liquide mukhati, ce qui chatouillera votre anus et vous confère avec l'inconfort anal. Yani les personnes qui ont des hémorroïdes parfois même pas ils peuvent même pas tamponner toucher l'anus pour bien le nettoyer ou par la suite il va y avoir comme tal garatim, il va y avoir et il va chatouiller la ligne et par la suite il va conférer un inconfort ou les démangeaisons amraïhin easy. De ce fait, dès que la personne commence à avoir un de ces symptômes, yani le grattage, etc., le prurit, il va commencer ou le grattage va commencer et ce grattage, il va augmenter, il va égratiner la peau ou tenir, il va l'irriter. Et le pire, c'est que les personnes, ils vont développer, à force de gratter, elles vont développer des allergies aux crèmes et pommades contre les démangeaisons. Parce que كل حاجة مزيتة sur la peau, elle va tous les drdrom, elle va les chatouiller. Donc voilà, à force de gratter, et ben les personnes elles vont développer le prurite
passons au traitement. Tout d'abord, il faut avoir une bonne hygiène. Yani, واحد يغسل بطبعه الشان يعني كان avec de l'eau tiède بالملح de temps à autre avec du sérum salé avec un savon neutre لي ما يرغونش. Deuxièmement, utiliser du coton, du papier doux. Ou là, un papier serviette spécial zone intime, zone anale qui va absorber, assécher avec la zone humide. Après avoir lavé la peau de comme après avoir rentré à la selle, il faut vraiment le rincer ou le chauffer avec la zone. Mais je m'étourage humide. Il faut aussi saupoudrer du talc. Le talc qui va permettre à combattre l'humidité ou tannique excessif ou tannique inqas. L'humidité, il a gagné certaines personnes. Et elles vont transpirer plus que d'autres. Le deuxième traitement, c'est de traiter la cause du prurite. Il y a comme une infection parasitaire, tu as les oxyures, qui a des médicaments spécifiques pour ça. Il y a comme une infection fongique, une infection par un champignon qui est le candida. Il y a des antibiotiques pour ça aussi. Le cinquième conseil et traitement, c'est utiliser des pommades à base de corticoïdes avec 1% d'hydrocortisone. Et enfin, ne pas porter des vêtements trop serrés durant la période d'inconfort. Et par cela, je vous dis, c'était le thème d'aujourd'hui. N'hésitez pas à me laisser des commentaires et poser les questions. Une autre vidéo. Et à très bientôt les filles.